Bonjour, c'est Amélie. Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour réaliser quelques postures de yoga thérapie. Retrouver des postures pour lutter contre l'anxiété. Guerrier 1. Place une jambe vers l'avant et place l'autre jambe avec les pointes de pied sur le côté. Genou fléchi en alignement avec la cheville, joint les mains vers le plafond et essaie de cambrer légèrement le dos en serrant bien le ventre pour ne pas trop creuser le bas du dos. Restez quelques secondes en statique. Option plus facile, redressez le dos, placez les bras parallèles au sol, paume de main face au sol. Flexion avant, jambes écartées. Écartez les jambes, pieds parallèles, enroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Option 1, place les mains au sol. Option numéro 2, placez les coudes au sol. La posture de la cigogne. Pieds parallèles, genoux fléchis. Attrapez les pointes de pied avec les deux mains et relâchez la colonne vertébrale. Posture de l'enfant, genoux fléchis au sol, amenez les fessiers sur les chevilles et placez les bras tendus avec les mains loin devant pour étirer le dos. Posture confortable, placez-vous en tailleur, veillez à bien ancrer les fessiers dans le sol de façon à pouvoir avoir un dos bien droit en serrant le ventre et les omoplates. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses. Roulez ensuite tout doucement à terre, allongez-vous et fléchissez les coudes de façon à les poser au sol, paume de main vers le sol. Posture du poisson. Pour chaque posture, veillez toujours à inspirer profondément par le nez et à expirer par la bouche. Posture de l'étirement de la jambe tendue. Allongée au sol, essayez de tendre la jambe et d'amener la cuisse vers le buste. Option facile, attrapez la cuisse. Si vous voulez étirer davantage, vous pouvez monter les mains au niveau du mollet ou de la cheville. Posture de la demi-chandelle, dos allongé au sol, montez les jambes en direction du plafond, 90 degrés avec le corps. Si tout va bien, vous pouvez tenter la chandelle, décoller les fessiers et le bas du dos, en tendant toujours les jambes vers le plafond. Appuyez-vous sur les coudes fléchis pour soutenir le buste. Posture de la torsion allongée. Amenez les genoux fléchis sur le côté. Gardez le haut du dos et les épaules collés au sol. Amenez la tête et le regard en sens opposé à la direction des genoux. Posture du cadavre, réallongez-vous complètement au sol, lâchez bien la tête, les épaules, inspirez profondément par le nez et expirez profondément par la bouche.